Bonjour à tous, c'est Alban 12 et on se retrouve pour ce deuxième épisode du Let's Play sur Planet Coaster. La dernière fois, on avait fait cette façade là. Au final, on n'a pas fait grand chose, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps à le faire. Et dans cet épisode, eh bien, on va s'attaquer à vraiment organiser toute l'entrée du parc. Donc je pense notamment faire ici un grand hall d'entrée, hein, tout simplement, copier la façade là, la mettre de l'autre côté, et puis copier le grand hall que j'aurais fait là pour le mettre ici, et peut-être ajouter un petit campanile au milieu. Donc je vous en avais déjà parlé durant le dernier épisode, que je voudrais refaire un petit peu le campanile de la gare maritime de Cherbourg, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Donc j'ai avoir du mal, donc j'ai que des photos en noir et blanc. C'est ça qui va être un petit peu compliqué. Regardez ici, j'ai mis un petit chemin, voilà, histoire d'amener les pelleteuses jusqu'au lieu des travaux. Parce que quand même, on manquait d'une route qui était reliée à la route. Donc j'ai fait ça. J'aimerais bien aussi faire en sorte qu'on puisse déjà amener des visiteurs, pas tout de suite, hein, mais dès qu'on aura vraiment la structure de l'entrée, qu'on aura quelques premières attractions, j'aimerais bien qu'on mette les visiteurs déjà pour voir comment ils font. J'ai pas envie de faire comme dans la dernière saison où j'ai ouvert tout d'un coup au moment où on avait vraiment beaucoup avancé le parc. Là, je préférerais voilà ouvrir le parc avec les visiteurs pour voir ce que ça donne. Et je trouve que c'est plus sympa. Voilà. Donc allez, c'est parti tout de suite, je vais commencer à construire, je vais faire je pense surtout le grand hall, et puis après on se retrouvera et je vous expliquerai ce que je ferai dans la deuxième partie de la vidéo. Allez, c'est parti! Thank you.
Je me trouve donc ici dans la future entrée du parc. Le bâtiment de base, on dirait que c'est une gare, hein, clairement. De toute façon, le bâtiment que j'ai choisi de reprendre était une gare maritime. Donc il y avait des trains. Et donc c'est vraiment la forme de ce bâtiment qui fait penser à une gare. Donc ce qu'on va faire, c'est que, enfin je vais pas le faire là tout de suite, mais mes idées, ce serait d'amener donc les visiteurs par cette entrée-là, donc la laisser grande ouverte comme ça, et ici mettre en arc de cercle des guichets, vraiment dans style art déco, quelque chose de très minimaliste, un bâtiment très plat, qui laisse vraiment entrevoir, enfin même pas entrevoir, qui laisse vraiment le bâtiment, la façade ici dominer. Et puis une fois qu'on rentrera dans le bâtiment là, hop, au tout début, on aura des guichets, enfin des guichets, non, des portiques, donc pour rentrer dans le parc cette fois-ci en passant nos cartes, hein, parce qu'avant on achète les billets et ensuite on passe dans le parc. Donc voilà, sur les côtés ici on aura des boutiques, des services clients, des toilettes, des casiers, des distributeurs de billets, tout ce qu'il faut pour nos visiteurs. Également peut-être un centre de secours, un bâtiment des employés, enfin voilà, il y aura plein de trucs intéressants à faire. Également, il faudra décorer tout l'intérieur, mais ça, on verra ça plus tard, peut-être la prochaine fois, je ne sais pas, ça dépend comment j'avance tout de suite. Donc voilà, la façade ici de l'autre côté donnera sur le grand parc, enfin le grand parc, le parc. Je suis pas sûr encore du placement parce que le lac est un peu loin, enfin le lac, oui, le lac est un peu loin. Je sais pas comment m'y prendre. Ici, j'ai envie de faire en plus une petite pente. Enfin, il va falloir qu'on gère la petite pente là, donc faire des escaliers ou je sais pas. Et je trouve que c'est plus sympa justement d'avoir une pente parce que comme ça on a une vue de haut quand on arrive dans le parc. Peut-être faire des jardins là du coup, c'est pas impossible. Je sais pas trop. Et donc à la fin de l'accéléré, j'ai tout simplement dupliqué cette partie-là du grand hall ici pour le dupliquer ici. Je suis pas encore sûr du placement non plus, je pense que je vais revoir quand je vais placer le campanile au milieu. Mais voilà. Donc également, oui, je vous ai pas montré, j'ai mis une verrière parce que c'est. Bon, dans le vrai bâtiment, il y a une verrière. Et en plus, ça apporte vraiment de la luminosité, comme vous pouvez le voir. On voit vraiment que ça apporte beaucoup de lumière. Voilà. Donc, comme je le disais, je suis pas sûr de ce placement-là parce que quand les visiteurs vont vouloir sortir du parc, ils vont se dire, allez-vous la sortie? Parce qu'en fait, c'est les deux bâtiments, c'est les deux mêmes. Hein. Donc ils vont se dire par où on sort. Et donc ça, je pense que c'est un petit peu problématique. Donc je suis pas encore sûr de ce placement-là. Je vais continuer dans cette lancée-là pour l'instant. Et on verra après si je modifie ça. Mais je pense qu'il y a des chances que je modifie ça. Dernière chose, ici, regardez, j'ai pas copié cette partie-là de la. J'ai pas copié la façade qui était là. Parce qu'en fait, tout simplement, ce sera une partie backstage. Donc on n'aura pas du tout de façade ici. Ce sera pas du tout apparent. Ce sera complètement caché. Ce qu'il faudra juste faire attention, c'est vraiment de pas trop coller cette partie-là à l'entrée qui va venir juste là et qui sera complètement ouverte. Et donc que les visiteurs pourront potentiellement voir. Bon, allez, assez blablaté, c'est parti, on continue la construction. Donc je vais faire des petites ouvertures ici dans les bâtiments pour pouvoir ajouter une ouverture tout simplement. Et puis après, je vais faire le campanile, ce sera la pièce maîtresse de ces bâtiments de l'entrée. Allez, c'est parti.
Ça y est, j'ai terminé le campanile. Bon, ça m'a pris un temps fou, mais franchement, je suis hyper content du résultat. J'ai un peu galéré également à faire ici les entrées, les proportions étaient pas très bonnes au début, du coup j'ai recommencé plein de fois. Bon, c'est pas grave, je suis vraiment content d'avoir terminé. Franchement, ça me rend hyper bien, je trouve que ça rend bien. J'ai pas refait exactement les mêmes motifs que sur le vrai campanile qui existe, parce qu'en fait, ça faisait pas au niveau de la taille. Donc j'ai pas pu le faire. Donc si vous voulez, je vais jouer une image du vrai campanile, enfin du détail en haut du vrai campanile. C'est vrai, on va dire jusque là, mais à partir de là, ça part un peu en zézette. Hein, c'est plus du tout la même chose. Mais je trouve quand même que ça rend bien. C'est très élancé, ça part vers le haut. C'est pas trop haut, c'est pas trop bas. Donc je trouve que ça rend bien. Voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai rajouté donc tout un toit, enfin un bâtiment derrière, qui permettra donc de relier les deux bâtiments. Mais je pense qu'on pourra tout simplement pas accéder à l'intérieur, à moins de mettre des boutiques, un restaurant, je sais pas. Concernant le placement, je vous avais dit que ça me plaisait pas. Et donc ça me plaît pas du tout. Je vais replacer ça tout de suite. Je vais pas vous montrer ça, mais ça va faire comme par magie. D'un coup, vous allez voir, ça va changer. Donc déjà, je pense déplacer celui-là. L'orienter peut-être plus dans ce sens-là pour vraiment laisser en avant cette façade-là, pour vraiment indiquer que cette partie-là, c'est l'entrée. Je pense également décaler cette partie-là avec le campanile, la mettre perpendiculaire au bâtiment de l'entrée. Et puis du coup, peut-être rétrécir également ce grand hall-là, parce que je trouve qu'il est trop grand. Et en plus, si je le mets ici en biais là, bah, ça va dépasser sur l'entrée et ce sera gênant. Donc voilà ce que je vais faire. Donc regardez le résultat. J'ai donc fait exactement ce que je viens de vous dire. Donc j'ai redécalé ce bâtiment-là, je l'ai mis perpendiculaire au grand hall. Et puis j'ai rétréci ici le deuxième grand hall et j'ai reculé en fait le bâtiment et je l'ai un peu mis en biais. Également j'ai changé l'entrée, la petite entrée. Donc il y a une ouverture là, il y en avait une autre ici. Mais maintenant je l'ai déplacée là, comme ça permettra peut-être, je pense, de pouvoir mettre une entrée d'attraction, parce qu'en fait mon idée à l'intérieur, ce serait de mettre une attraction du genre des trucs qui tournent. Oula, j'ai un petit problème. Je suis dans les murs. Hop, c'est bon. Donc ce serait une attraction d'intérieur, hein, donc par exemple là dans attraction, je sais pas, un genre de truc un peu mécanique pour rappeler l'industriel, pourquoi pas, ça pourrait être bien. Peut-être un truc comme ça. Mais il faut que ça rentre, hein. Faut que ça soit petit. Donc là, je suis. Non, ça va pas rentrer. Non. Des petites attractions, pas très grosses. Donc ça va pas être facile, à moins qu'on mette ici les espèces de. Ça, peut-être. Voilà. Il y a plusieurs idées qui pourraient être mises. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez une idée, je suis preneur. Parmi toutes ces attractions-là, donc celles que j'ai, sachant que j'ai pas le pack. Je sais plus, il y a un des deux packs des attractions que j'ai pas. Donc voilà. Donc j'en ai pas mal quand même. Ça pourrait être pas mal aussi, je sais pas. Bon bref, voilà, il y a plusieurs attractions. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois, ce sera peut-être pas la semaine prochaine, du coup, peut-être un petit peu avant. Donc la prochaine fois, je ferai, je pense, l'aménagement déjà de l'intérieur, peut-être, hein. J'aimerais bien également voir pour tous les guichets ici qu'on aura en arc de cercle. Et je pense que ce sera bien. On aura déjà bien avancé. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu. Également, dites-moi si vous trouvez quand même que ça ressemble à l'original. Enfin, pas la forme, hein, mais vraiment les détails architecturaux. Si ça ressemble au vrai bâtiment. En tout cas, c'est ce que je voulais et je trouve vraiment que ça rend hyper bien. Donc je suis content, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires comme d'habitude. Un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis abonnez-vous si vous voulez suivre la suite de cette série. On a encore plein de choses à faire. Allez, bye bye, c'était Alban 12.